violoncelle, contrebasse et violon, l'Orchestre Royal Le Chambre de Wallonie interprète l'ouverture pour orchestre de Telemann. Les rencontres, un rendez-vous incontournable pour les habitants de Kalenzan et les environs. Mais la régalasie est importante pour nous, je trouve, parce que culturellement, fait piacere di bere che il nostro paese rassemble tutto il mondo. Les vacanciers aussi ont coché la date. Certains organisent même leur été en fonction de l'événement. Notre venue en Corse est aussi calée sur les rencontres de Kalenzan. C'est un moment superbe. C'est vrai que traditionnellement, on prenait nos vacances au mois d'août et on faisait en sorte de rester en Corse jusqu'aux rencontres de Kalenzan. La volonté du festival, rendre accessible la musique classique. 21 concerts sont proposés dans 12 villages de Balagne. On a des gens effectivement aussi qui viennent de l'étranger, que ce soit du continent ou d'autres pays d'Europe, qui prennent leurs vacances à ce moment-là, parce qu'on est arrivé ici à Kalenzan, et avec tout ce que l'on propose dans les villages aux alentours, justement à fédérer ce public. Pour les artistes, il est important d'aller au devant du public pour vulgariser le genre. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une volonté vraiment de vouloir que la musique vive dans ce lieu et non pas obliger les gens à aller ailleurs dans des lieux emblématiques pour découvrir la musique. Là, c'est la musique qui est venue vers eux et qui s'est installée ici à Kalenzan. Hier, on comptait 350 mélomanes dans l'église Saint-Blaise. Pour assister au concert ce soir, rendez-vous même heure, même endroit.